Alors, je fais des poules, oui, plein, plein, plein de poules. Ça envahit ma maison. Ces poules, elles sont nées dans un contexte un peu particulier, puisque quand j'ai eu mes enfants et que j'ai eu ma vie de famille, ma vie de femme, etc., je dessinais plus trop. Et un jour, voilà, j'ai eu très, très, très envie de dessiner, sachant que dans mon couple, ça n'allait plus trop. Et je me suis vue dessiner des poules, chose que je n'avais jamais dessinée auparavant. Ça aurait été vraiment quelque chose de tout nouveau en fait. C'est ces poules qui m'ont fait prendre conscience que ma vie maritale ne me convenait plus. Mais ça a été surtout comme une thérapie, on va dire, ces poules. Parce que j'ai commencé à dessiner, à dessiner, à dessiner. Ça a toujours été les poules et je me suis rendu compte en fait, en dessinant, surtout mon tout premier tableau, que j'avais retracé tout mon chapitre de vie à travers des poules, que ce soit la naissance, que ce soit mes peines, mes souffrances, mes peurs. Ça a pris des proportions sur la toile et je me suis dit, oh la vache, je me suis vraiment rendu compte que j'étais en train d'extérioriser. Alors j'ai fait une toile, deux toiles, trois toiles. Et ça a été ma thérapie. On va dire que ces poules m'ont permis d'ouvrir la cage du poulailler pour pouvoir m'envoler, bien que les poules ne volent pas. C'est très 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 coloré. On a l'impression que c'est super, que c'est la fête, ou je ne sais pas comment les gens perçoivent les tableaux, mais il y a souvent une connotation très dramatique. Je dis ça avec le sourire parce qu'en fait, c'est vrai que souvent quand je dessine et que je vois mes tableaux, alors des fois ça me fait rire, des fois ça me met dans des états de pleurs. Mais voilà, je représente aussi les bonnes personnes comme les mauvaises personnes. Et chaque poule que je représente, en fait, elles ont certaines caractéristiques ou certains traits de personnalité que je vais représenter à travers des couleurs ou à travers des motifs. Ça s'est décliné un humour un petit peu noir de ce qu'on peut vivre dans notre société. Des choses qu'on peut faire aussi. Voilà, j'aimais bien un petit peu ce trait satirique à travers elle. Et puis ça a débordé, ça a débordé. C'est parti sur des fringues, c'est parti sur des chaussures. Hein. Et là, ça a été tout autre chose. Hein. Donc j'ai créé l'année dernière ma marque qui s'appelle Marché Cocotte. Marché Cocotte, en fait, ça a été, comment dire, le fait de se dire garde toujours la tête haute, concentre-toi, reste toujours apprêté, reste toujours qui tu es, ne te laisse pas abattre, ne te laisse pas aller par les difficultés. Marche et cocotte dans le sens sois belle, marche et cocotte, sois parfumée et puis te soucie pas, avance et laisse les candidats, laisse les préjugés, voilà, avance quoi. Et c'est ce que j'ai fait, voilà. Et c'est ce que j'ai fait grâce à mes poules.